Dégâts à l'assassin, 3% à tous les dégâts. Très stylé. Très 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 stylé. Et j'ai eu... Ah oui, j'ai eu des torses épiques là. Dégâts de guerrier, non. Ok, le torse à niveau 22, il est génial, l'armure de roi. Très 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 bon. Assassin, dégâts crit. Assassin, poison. Ok, et maintenant on coule le bateau par exemple. Bah je crois que je peux pas en fait. On est d'accord, on peut pas couler le bateau sans un bateau. Ouais, t'es con, hein, ce que je dis, mais... tac tac tac, alors attends, les quêtes. Maintenant les autres quêtes, en parlant de ça, détruire un navire. Là, voilà, la cargaison, elle est où? Mais elle est où la cargaison, le con, putain? Bon, on va aller prendre l'Adrestia, on va aller faire les quêtes de bateau de toute façon. Ah, ça fait du bien. On se sent toujours mieux après un bon petit carnage, c'est toujours cool. C'est toujours cool. Préparez-vous, on s'en va. Attention. Alors donc la quête de baston de navire, faut ouais. Deux Spartiates, deux Athéniens, deux brigands. Devant on a de l'Athénien. On va faire une petite sauvegarde avant de commencer ça. Voilà et c'est parti. Oh la vache, un gros dauphin ça. C'est pas un petit navire spartiate de rien du tout ça? Non, ça sent juste un pauvre navire marchand ça. Ok, les deux Athéniens, là, on va être pas mal là. On va commencer par le gros. Quand même faire gaffe parce que mon bateau il est pas giga amélioré. Allez, c'est parti! Bouya! Nul. Voilà. Allez les gars. Allez. Booyah. Ok, on va se healer avec un petit abordage. On a survécu. On peut remercier. Costaud quand même, hein. Faire gaffe aux flèches. Oh putain. Putain de salaud. Wouh. Ils vont me crever hein. Vas-y, je vais me cacher derrière mais Ah merde, ça marche en plus. Je me cache derrière mais Ah bah écoutez hein, faut bien qu'ils me servent hein. Bon. C'est run connard hein. On n'est pas là pour être Voilà, bouclier humain les bonhommes. Oh là. Quelle violence. Pourquoi tant de violence? Vous devez tuer tout l'équipage adverse. Ah merde, il reste un connard. Oh ok, d'accord. Voilà. Alors, les deux coffres, il y a quoi de beau? Faire vite, dague de tueur. Et... Voilà, c'est les deux. Oh, le deuxième, là, ça va être rapide. Full vitesse. Bouillard. On a besoin de plus de... Voyons si vous aimez les flammes. Allez.
Réduisez l'allure. Ah, c'est ça que j'utilisais pas assez rond jusqu'à présent. C'était mon erreur. Oh ya. Bon, on est bien. Allez, on se casse de là. Ensuite, il nous faut encore deux Spartiates et deux brigands. Pas de soucis. Deux Spartiates et deux brigands. On va trouver ça. En plus, ça fait des compos. Ça fait de la thune. Ça fait des loot. Deux Spartiates et deux brigands. Alors. Attendez, je vais aller vers le nord de l'île. C'est par là ou pas? Je vois rien du tout. Non, merde. L'île, elle est là. Ok, je vais aller vers le nord de l'île. Comme ça, en plus... Bon, je peux la contourner. Au pire, je pourrais m'arrêter pour aller faire les deux points d'interrogation qui manquent. Ça, c'est quoi devant, là? Ça, c'est quoi comme navire? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais c'est mort. Ça, c'est rouge devant. Ça, c'est du Spartiate, ça. Commencez à ramer. Les archers, comment? C'est sur eux. Faites-les brûler. C'est bon, on va les brûler. Les brûler. Attendez, revenez à votre poste. J'ai jamais réussi à sortir, par contre, les javelots... Allez, 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 allez. Boum. On se cramponne, accrochez-vous. Préparez vos armes. Laisse-nous tant recharger. Un excellent coup. Rameur, allez. Oh putain. Préparez-vous au sort. Malaga, ils vont nous déprôner. Pleine allure. Il faut laisser les rameurs se reposer. Tirez. Attends, vite, ok. On va vite l'aborder. Ok. Ouais, j'ai l'eau de feu, j'ai jamais trouvé la touche. Si quelqu'un sait, je suis preneur. Le chat. Parce que je impossible de trouver la touche pour les javelots de feu. Pourtant j'ai déjà utilisé hein, mais. Non, R1, c'est les flèches de feu. Quand je fais R1, c'est des flèches qui partent. En tout cas, il me semble. Ou alors, c'est des flèches de feu que je trouve pas. Dans ce cas, je fais les javelots depuis le début. Putain, il est costaud, lui, eh. Allez, boum. À la flotte, connard. T'es un peu trop fort, toi. Toi aussi, tu dégages. Ah, bah alors, c'est des javelots que je fais depuis le début. Ok. C'est bon. Ah, c'était les brigands, tiens. C'était pas des Spartiates. Ok. Celui que j'ai détruit... Ou alors, c'est peut-être celui que j'ai traversé, on va voir. Attends. L2, R1. Ça, c'est flèche de feu. Pas les flèches juste classiques. Oh, il a l'air vénère, lui. Attendez, là. Wow, 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 wow. On se casse, on se casse, on se casse. Je vais couler là. Nous avons subi ces dégâts. Cassos. Je pense à qui me touche. Là, c'est courage fuyant. Là, là, non, mais là, le navire élite, là, c'était un piège à con, ça. Là, je suis dans un. Mais en même temps, je peux pas améliorer mon navire. Si j'améliore mon navire, j'ai pas assez de thunes pour Xenia, quoi. Quel enfer. Quel enfer! Bon, l'arc en vrai, je m'en bats les couilles. Dégâts d'assassin. Oh oui, attendez. Assassin surpuissant. Boum. Double dague, mon ami. Et ouais. C'est Loïs qui est nouveau. Celui que tu viens de couler, t'es bien un Spartiate. Ouais. C'est peut-être celui que j'ai troué en deux, en fait, qui était un brigand, tu sais, un peu éclaté. Hein.
Là, on va juste se casser parce que là, je perds 100% là. Ça, c'est le brigand à droite, je crois, les petits. Faut que je sorte de baston là. On peut oublier les dangers. C'est bon. Petite sauvegarde. Et on y retourne. Ça, je crois, à gauche là, il me semble que c'est les brigands ça. Un niveau insuffisant, tiens, les combats navals sont difficiles dans cette région. Bah, hey, je sais bien, mais bon. Quel enfer quoi. Les deux petits, ça va pouvoir le faire. Capitaine. Oh, ils sont trois là. Non, c'est un piège à con ça. On se casse de là. Non, là, ça va très mal tourner cette histoire. Bon, écoutez, un Xenia au pire, elle a à se faire enculer. Je vais améliorer mon navire, moi. Xenia va chier. Je peux améliorer la coque. Plus de points de vie serait pas mal. Après, je fais pas des masses de dégâts non plus. Wouh ! Voilà, ils me poursuivent bien comme il faut. Hein. C'est quoi devant là, ce petit connard tout seul là ? Oh, il y a des navires de ouf là devant ? Ça, c'est le brigand, ça devant, je crois. Salut Kobayashi, pas de soucis. Préparez vos avirons. Allez. Bouh. Préparez vos flèches. Préparez vos arcs. Ah oui, ok, non, ok, depuis le début en fait je faisais les javelots de feu. C'est les flèches que je faisais pas. Merde. Oh là là. Ça va là. Ah oui, c'est mieux avec les flèches en feu. What? Oh, ils se fightent entre eux. Allez, chef. Allez, vas-y. Oh, on va se mêler à la baston. Capitaine, baston général. Baston général. Putain, il en balance combien lui? Oh là 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 là. Bouge. Ah, je l'ai pas esquivé, putain. Ok, on va se healer. C'est tendu, hein. Merde. Pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave. Allez, barre-toi, toi. Ok. On se casse. Et les autres sont... Merde, c'est pas par là. Les autres sont toujours en train de se faire la guerre. Là, je crois que c'était un brigand que j'aime me faire. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup d'incertitudes. Vite ! On a besoin d'aide ! J'ai besoin d'argent ! Ah la vache! Ok, plus qu'un spartiate. Est-ce qu'on remonte ce qui flotte, capitaine? Oh putain de merde, c'est quoi ça? Lâchez les flèches! Wouh, il est costaud lui! Oh lui, il est fort lui! Soyez prêts à tirer! Tirez, vite! Capitaine, il se dirige droit sur nous! En avant! On devrait récupérer ce qui flotte! Ah, le gros élite là, il est compliqué à affronter. Repliez la voile! Repliez! Réduisez l'allure! Ils essaient de nous éperonner! Allez! Okay. Allons au
putain de merde. Oh, c'est tendu, hein. C'est giga tendu, c'est une méga baston depuis tout à l'heure. Va plier la voile. Mais ils se fightent entre eux ou pas, là, le gros élite, là? Ils sont tous contre moi ou ils se fightent entre eux? J'arrive pas à voir. Parce que sa vie, elle descend pas du tout. Hein. Lui, je peux me le faire, lui. Capitaine, il se dirige sur nous. On va aborder celui-là vite. Oh, quoi que. Allez hop. Allez, allez, cassos, cassos, cassos. Allez, je vais crever, hein. Allez, 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 allez. On se taille de là, on se taille de là. Dark style, pas d'abordage, que du coulage. Oh, ça dépend, j'en aborde en fait. Là, j'utilise, toi, selon les points de vue du bateau, quoi. Mais là, il manque un spartiate. Mais je sais pas ce que c'est que ce bateau-là, ce bateau ultra vénère. Est-ce que ça serait pas par hasard, attendez, un membre du culte, là? Non, je pense pas, quoique, j'en sais rien du tout. Mais il est vénère. Il est très très vénère. Peut-être juste un élite, hein, de je ne sais où. Bon, il me reste plus qu'un spartiate à trouver. Faut-il encore maintenant le trouver? Je crois que c'est un spartiate, lui, mais ça va être compliqué. Ah, et ben voilà! Suffisait de demander gentiment. On veut du spartiate, en voilà. C'est un gros spartiate quand même, hein, par contre. Sinon, tu peux descendre et l'aborder depuis la mer. Puis descendre comme la dernière fois. En vrai, j'aurais plus de chances d'y arriver comme ça qu'en combat de bateau. Comme ils l'ont dit, là, mon bateau est beaucoup trop fait pour la région, hein, ça se sent. Et donc, franchement, ça serait techniquement mes meilleures probas d'y arriver, Izir. Ça serait long, par contre. Et l'erreur peut être compliquée. Allez, c'est parti! C'est parti! Plus vite. Il va être fort lui aussi, hein. C'est quoi le nom, s'il te plaît? C'est bon. Il était costaud, le gros. Hein. Il était costaud. Hein. On va aller. Oh putain, je suis à Babelwed. Ok, c'est parti par là. Je connais pas du tout pour le coup. Salut Sabachu. Ah bah, je pense que c'est la meilleure version que tu auras de Skull and Bones, hein, techniquement. 10 Tera. Attends, je vais mettre. Quelque chose à récupérer, tout près. Ah bon, où ça? Ah oui, là-bas. 10. Tera. J'en ai pas du tout entendu parler, tiens. Terra Fusion, bla bla. Ah, c'est par Cacao Game. Ok, donc y a déjà y a un petit budget quand même. Ok. Ok, ok. Merci pour l'info. Bon.
Au final, j'aurais pas eu besoin d'améliorer le bateau. On va quand même garder les 17 nids. Je me dis qu'il y aura peut-être. Je me rappelle pas du tout. Hein. Je me dis qu'il y aura peut-être une petite entourloupe narrative qui fait que je pourrais garder le pognon et Xenia soit l'obliger, soit faire en sorte en fait qu'elle me. Qu'elle me donne l'information sans, sans raquer les 17 000 drachmes. Je sais pas, pour service rendu à sa nation de con là. Technique du malentendu. On va y aller à Jean-Claude Duss. On va préparer la thune et au pire, je la garde pour moi. J'avais reçu un invite, mais avec The Cycle, c'est... Ah bah tu m'étonnes. Moi, ouais, The Cycle, ça commence un peu à me manquer, là, pour le coup. Mais le problème, c'est que si je commence à streamer The Cycle et du Assassin's Creed, on va jamais le finir, Assassin's Creed. Donc, c'est un peu problématique. Ah bah si je pouvais, j'aimerais bien affronter Xenia, ça serait stylé. Pour le coup. Le capitaine quitte la barre. Ça serait bien stylé, cher Izzy. Elle a l'air vénère, hein. Ça devrait être un gros boss. À 16h, on fera une petite pause, il faudra que je sorte le chien, je ne l'ai pas encore sorti aujourd'hui, ce qui faisait une chaleur abominable. Et je voulais attendre, voir si ça descendait un peu dans l'après-midi. Il fait 32 là. Bon, je vais faire une mini-balade quand même. Je vais juste aller faire avant tout d'ailleurs, déjà une petite première pause bio. A tout de suite. Heureux. Go faire la balade maintenant, le pauvre. Oui et non, parce qu'après il crève vraiment chaud aussi, hein, pour le coup. Donc c'est pas, je ne l'ai pas négligé, hein, c'est en mode, pour lui comme pour moi, il fait vraiment très très chaud. Hein. T'inquiète, elle est en train de taper sa meilleure sieste. Hein. Maverick a toujours été parfaitement capable de s'exprimer quand il y avait un vrai besoin. Alors... merde. Mieux vaut éviter de se faire voir. Bonjour. Putain. Allez, le crit là, bordel. Bientôt chez Hadès. Il est sympa Hadès, fait bien bouger. Là, tu dégages. Putain, c'est du beau trésor, ça. Ah bah ouais, loot épique dedans. Coucou. Et pourquoi elle gémit? Je viens de la libérer, connasse, quoi. Bon, on va aller faire le point d'interrogation là-bas et aller valider la quête. Oh bibou. Faudrait que je me lève plus tôt en vrai pour le balader. Je me réveille vers 11h. Ah, je vous dis, hier j'ai passé 2 heures sur Baki. Ah, c'était trop bien. Après, j'ai pas tout compris parce que Baki c'est un bon bordel. Il y a genre 4 séries différentes. C'est un sacré bordel hein, pour ceux qui matent ou qui lisent le manga ou qui matent l'animé. Bonjour. Facteur. Ah, j'ai attaqué la première saison, c'est vrai que pour l'instant je kiffe bien aussi. Hein. Mais il est tellement fort le lion. Oh, putain qu'est-ce qu'il est fort. C'est bon, il est mort. C'est pas fini ceci dit. Faut également buter. Non mais bouge. Va me tuer, bordel. Non. Oh, l'arnaque. Oh, putain. Quelle arnaque. Quelle arnaque. Moi, là, je crie à l'arnaque, hein.
Là, il y a arnaque là. Ah putain, quel enfer. Ça me ramène où avec ces conneries? Oh putain. Je dois me montrer prudent par ici. Mais c'est vrai que quand tu regardes des animés comme Baki par exemple, ça me donne envie de mater d'autres animés qui sont pas fluff. En fait, je me dis que la majorité des animés doivent comme ça en fait bien rythmés et tout. Et que j'ai juste été dégoûté des animés à cause de. À cause de trucs gigalons quoi, en mode Naruto. Après One Piece, je le regarde, je sais qu'il est pas bon, mais je le regarde dans le sens où c'est One Piece quoi. Mais l'animé me fait chier. Si One Piece ça pouvait être comme One Punch Man ou autre, à savoir ça qu'à une saison, genre tous les deux ans, mais par contre donc qui est bien rythmé, qui fait une grosse partie de manga et tout, c'est trop stylé quoi. Non mais clairement, pour le coup, l'animé One Piece n'est pas bon. Enfin, faut être complètement con pour dire le contraire, tu vois. C'est juste les fans qui parlent. J'ai beau être un fan de One Piece, je suis pas un demeuré pour autant, tu vois. Oh, ça est tendu. Non mais là, c'est infaisable. Laisse tomber. Trophée, voie rouge. C'est quoi ça? Ce qui se passe dans One Piece est bon, le fond est très bon, tu vois, pas la forme. Oh, ben 5 minutes, est gentil en soi. Ok. Oh, je l'ai paré le bordel. Bah, ça s'appelle avoir des yeux. One Piece n'est pas un bon animé, hein, clairement. Mais aujourd'hui, de toute façon, tous les animés fleuves vont être dégueulasses. Hein. Naruto, One Piece, Bleach, Boruto, peu importe. Hein. Le principe de l'animé fleuve, c'est archaïque, en fait. C'est ça, je pense que le vrai terme, c'est archaïque. C'est dépassé. Hein. Et le futur est comme pour tous les autres animés, que ce soit bon ou mauvais. Les animés, en fait, où bah voilà, ils bossent un an, deux ans sur la saison pour faire un travail rythmé, bien réalisé graphiquement, et qui permet justement d'avoir une œuvre en fait intéressante à regarder, quoi. Parce que sinon, enfin, tu te fais chier. Moi, je sais qu'un coup sur deux, même sur One Piece, j'ai envie de mater mon téléphone, quoi. Parce qu'il y a tellement de trucs lents avec les plans en rallonge. Après, c'est pas de leur faute, techniquement, c'est... Enfin, la faute, elle a été faite il y a 20 ans, en fait, de commencer l'animé fleuve, mais il y a 20 ans, on savait pas faire les animés rythmés. Donc c'est... Je suppose, peut-être que One Piece, étant donné que c'est quand même c'est le plus gros manga sur Terre, comme Dragon Ball Z. De ce que j'ai compris, ils ont fait un truc, je crois, qui s'appelle Dragon Ball Kai, où en gros, justement, c'est Dragon Ball Z, mais version rythmée. Il y aura peut-être un reboot de One Piece, enfin, reboot. Une nouvelle version de l'animé, une fois que One Piece sera fini, genre dans les années 2030, parce que ça se finit en 2025, où on aura justement une version rythmée de One Piece. Et là, ça sera chef-d'œuvre, par contre. Là, ça sera.